mère. Non. C'est le pyjama show. Oui. Avec tous ses copains. Plein de copains. On fera plein de trucs bien. Bien. Alors. Ok. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de pyjama, aussi communément appelé le pyjama show. Aujourd'hui, nous allons retourner à une vidéo un peu plus YouTube. Oh merde. Comme je vous le disais, je voulais repartir dans une vidéo où je m'adressais à vous par le biais de la communication directe, orale et nasale. Aujourd'hui, je vais essayer de retourner un peu dans le conformisme de YouTube en vous présentant mes favoris de l'hiver. Attendez, il y a un truc qui va pas. Non mais parce que si je veux prétendre être une vraie youtubeuse, faut juste pas que je me présente avec un teint de merde. Je vais en profiter pour faire un tuto beauté, parce que je suis très belle. Vous appliquez le truc beige. C'est facile hein. C'est comme du Tipex quoi, pour effacer une gueule de merde. Et ensuite, on prend la poudre. C'est de la poudre. Et on vient avec un pinceau. Pinceau, un peu comme on viendrait dépoussiérer la Joconde. Le front, pas besoin parce que personne le voit. Et bien là, j'ai pas de brosse, donc vous prenez votre main de cette façon un peu chat. Voilà, brossez la touffe. On arrive à un résultat plutôt type lundi matin, cocooning. J'ai mis une guirlande et bon, ma bougie, j'en ai plus parce que, du coup, j'ai pas de bougie. Et puis un tableau que j'ai fait parce que je suis une artiste. Mettre aussi mes mains comme ça qui tiennent mes manches parce que c'est ce que font un peu les youtubeuses. Et faire des mouvements comme ça quand je m'adresse à vous. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale qui consiste à vous présenter mes favoris de l'hiver. Alors, on commence tout de suite avec mon premier favori de l'hiver qui est le cutter. Je sais pas si vous connaissez. En fait, le cutter, c'est comme un ciseau, mais en plus précis. Grâce à ce cutter que j'ai pu... C'est nul. Hein. Mon premier favori de l'hiver, c'est cette tasse que j'ai cassée déjà. Et il y a écrit « I want to look like this ». Et c'est un chien. David Schrigley. Bon, je sais pas comment on prononce, mais allez voir ce qu'il fait. C'est fort sympa. Et je l'ai cassé à force de l'utiliser. C'est bon. Mon deuxième favori, je prends des trucs au hasard dans ma chambre. C'est les lunettes. Aucun problème de vue. Par contre, j'ai un problème d'addiction aux écrans. J'ai besoin de lunettes pour contrer les lumières bleues des écrans. Et alors, il paraît que c'est bullshit. Mais moi, quand je les mets, je me sens bien. Puis je trouve que ça me donne un petit côté rat de bibliothèque qui n'est pas déplaisant. Troisième favori. Que je dois finir la vidéo pour aujourd'hui. Et en vrai, je peux faire une pause et revenir tout à l'heure. Hein. Je disais troisième favori. Je suis partie... en tournée il n'y a pas longtemps et il me fallait quelque chose pour dessiner d'assez pratique parce qu'on avait beaucoup d'affaires à transporter. Et chez Muji, des feutres avec plein de couleurs, un design qu'on peut qualifier de minimaliste, porte deux couleurs à chaque fois. Médicaments, ils sont top. Je vais vous montrer un peu des livres parce que c'est ce qui constitue la plupart de mon appartement. Le premier que j'aime beaucoup, c'est celui-là qui s'appelle « Parfois les ennuis mettent un chapeau ». C'est de José Parando, édition L'Association. En fait, c'est que des petites phrases avec des petits dessins comme ça que j'aime beaucoup. À la fin du concert, le musicien s'aperçoit qu'il a joué en pantoufle. Souffle. Deuxième livre, mon favori de l'hiver, c'est le livre de mon ami Félix Ovard. Moi, j'ai mis de la cire de bougie dessus. Il s'appelle Espo, qu'il a fait quand on était à l'école Estienne ensemble. Regardez comme c'est beau. Waouh! Il retourne en Finlande sur les traces de son enfance et rencontre des petits personnages rigolos comme elle, là. C'est vraiment un ouvrage de qualité. Ouais, je sais, j'arrive. Gabriel m'a offert pour mon anniversaire qui s'appelle Broderie de Marjane Satrapi. Encore un livre en noir et blanc. À croire que je suis austère. C'est des discussions de femmes qui racontent un peu leurs histoires d'amour, leurs histoires de sexe un peu foirées, leurs histoires de mariage. C'est assez drôle et c'est assez intéressant. Enfin, c'est super même.
je veux pas dire de conneries sur où ça se passe exactement, que bah, vous avez qu'à aller le lire. Or, un autre livre que mon papa m'a offert, Vilmo, Fiche la femme, titre du livre. Et en fait, c'est que des affiches super cool, assez minimaliste avec des couleurs qui tuent tout. Pchiii, ça y est. Ah, je sais, putain. Un truc sans lequel je pourrais pas vivre. Mon bullet journal. Bullet journal. Le bullet journal, en gros, c'est un carnet vierge que tu prends et que tu adaptes à tes besoins. Pourquoi je suis essoufflée alors que j'ai fait aucun effort? Donc moi, j'ai choisi un carnet qu'on m'avait offert il y a longtemps de la marque Moleskine, mais bon, ça... Moi, je vous avoue que je suis pas trop les règles avec... Le mois de mai, mois de juin, mois de juillet. Je vous fais réviser vos mois en même temps. Parfois, je viens noter ce que j'ai à faire dans la journée. Je colle des choses. Rempli, et puis il est assez dégueulasse. Mais au moins, je me souviens de tout ce que je dois faire, de tout ce que j'ai fait et de tout ce que je ferai. Enfin, je peux vous parler de mes albums préférés, par exemple. L'album de Flavien Berger qui s'appelle Contretemps, qui est un album assez incroyable. Permet de se sentir bien en toute situation, même dans le bus, surtout dans le bus. Un album de bus pour moi. Téléphone-moi encore. De la grosse balle. Entretemps de Flavien Berger. Découvert, bon c'est un peu la honte, hein. Mais j'ai découvert que j'aimais Björk. C'est-à-dire qu'avant, j'avais du mal à comprendre. Je pense que mon cerveau n'était pas assez mature. J'ai vachement écouté son album Début, Débute, notamment le titre. Venice as a boy. Sense of humor. J'ai découvert ce groupe. Il s'appelle Brace Brace. Et ce titre, c'est Tease. Ah non, il y a aussi le titre de Songe que j'adore, que j'ai déjà partagé 800 005 fois sur Insta. God damn. On peut pas faire des mises au point sur ce truc de merde. Encore plein de choses, je pense, mais bon, on va pas faire une vidéo de 800 minutes. Il y a aussi une chanson que j'ai énormément écoutée cet hiver, pour le coup, qui est sortie il y a longtemps, qui est une chanson Tom York, qui s'appelle Atoms for Peace. J'en ai fait une reprise. Vous allez l'écouter, ben moi je vais aller faire un dessin. Un lundi productif. Ça vous va? Ben c'est parti. To the dark side with your flying sorcerers. No more falling down a wormhole that I have to pull you off of them and take me in your eyes.